Bonjour, je suis Jérôme Effred Ludodida. Je suis professeur des écoles. Ma mission, votre plaisir d'apprendre. Aujourd'hui, apprenons bonjour de Paul Géraldi. Bonjour. Comme un diable au fond de sa boîte, le bourgeon s'est tenu caché. Mais dans sa prison trop étroite, il bâille et voudrait respirer. Il entend des chants, des bruits d'ailes. Il a soif de grands jours et d'air. Il voudrait savoir les nouvelles. Il fait craquer son corset vert. Puis, d'un geste brusque, il déchire son habit étroit et trop court. Enfin, se dit-il, je respire, je vis, je suis libre. Bonjour. Paul Géraldi. Bonjour. Comme un diable au fond de sa boîte, le bourgeon s'est tenu caché. Mais dans sa prison trop étroite, il bâille et voudrait respirer. Il entend des chants, des bruits d'ailes. Il a soif de grands jours et d'air. Il voudrait savoir les nouvelles. Il fait craquer son corset vert. Puis, d'un geste brusque, il déchire son habit étroit et trop court. Enfin, se dit-il, je respire, je vis, je suis libre. Bonjour, Paul Géraldi. Bonjour. Comme un diable au fond de sa boîte, le bourgeon s'est tenu caché. Mais dans sa prison trop étroite, il bâille et voudrait respirer. Il entend des chants, des bruits d'ailes. Il a soif de grands jours et d'air. Il voudrait savoir les nouvelles. Il fait craquer son corset vert. Puis, d'un geste brusque, il déchire son habit étroit et trop court. Enfin, se dit-il, je respire, je vis, je suis libre. Bonjour, Paul Géraldi. À vous de jouer. À vous de jouer.